Hadith numéro 36, bismillah. Abu Dhabi Abu Huraira radhiyallahu anhu dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. De là nous finissons connaître cette hadith Qudsi, dit man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta ahabba. Fa idha ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطينه ولئن استغاثني لأوذنه وما تردد عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته الله سبحانه وتعالى بكوزيلاف بيه Hadith Qudsi, mot pour mot, ça qui peut sortir dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parole Allah. Zis son qui nous tend la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui prend un pormou mouban allié. Nous venons avec tout l'inchallah, vous déclenche la guerre avec lui. Vous déclenche la guerre avec lui. Vous serviteur, il rapproche avec moi par action qui me fait faire obligatoire l'oli. Qui moi, Allah, me content. Mon serviteur, quand il rapproche avec moi par action qui me content, autre que ça qui me fait faire obligatoire l'oli. Veut dire ban sunna ban nafil. Quand vous comptez, on dit, Movine Sozoré, sur lui, sorry, ça sonne à lui. Pour laquelle il t'en dit. Movine sur la vue, pour laquelle il est trouvé. Movine sur la main, pour laquelle il est touché. Movine sur les pieds, pour laquelle il est morcé. Vous expliquez, là, Inch'Allah, la nouvelle djihadiste littéral. S'il demande quelque chose, me donne-lui. S'il demande ma protection, me protège-lui. Pénam n'a rien qui dit souhaiter, qui fait moi hésiter, c'est pour prendre son jour, pour prendre son âme. Parce que mon serviteur n'est pas content pour moi, et moi, je ne suis pas content pour faire du tout. Hadith Ali comme fil. Littéralement, chers frères, hadith qui trouve dans Sahih Bukhari, hadith Qudsi, qui parole mot pour mot, depuis Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'est pas fini par Jibril alayhi salam, donc il peine à y être Coran, il finit inspiré directement dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là qu'il gagne le titre, hadith Qudsi. Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Man adani waliyan. C'est lui qui prend un de nos man alliés. Veut dire, il fait divine sur l'ennemi, vous déclenche la guerre avec lui. Non, arrête la même. Chers frères et sœurs, pour nous connaître la gravité de certaines actions, de ses conséquences. Pour connaître la gravité de certaines actions, où vous êtes de ses conséquences. Mon pape dit, où SMF fout des bocs le haut. Moi, je peux dire où, casier pour des bocs le haut. Ni je peux dire où, ban les autres la fausse, etc. Non, non, non. Je peux dire où, Allah peut déclencher la guerre avec vous. Pénètre 4 jours, 6 jours, extension, libère, otage, non, il y a. Qui ça dit monde qui pensait qu'il est capable de résister quand en face de lui, ça qui déclenche la guerre? Allah. Qui ça dit monde qui pensait qu'il va résister là? L'exemple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala de Sourate al-Baqarah quand il cause le riba, l'intérêt, quand il dit
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. Uban kina iman pi Allah. Quitte sa quelque chose qu'appel l'intérêt là. Ensuite, prochaine ayat qui nous dit, si tu pas fier li, fa'dharu bi harbi min Allah wa Rasul. Atanen la guédé pi Allah. Que Allah protège nous et tire ban frère qui nous tombe là-dedans. Chef frère, que ou t'en dis un dimoun de riba, dis-moi ni comment tu la vins d'inistère. Parce que ce n'est pas l'argent là, là, non, non, non. C'est qu'au fait, tu as déclenché une guerre contre Allah. Simple. Ici, à qui ça n'a Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, c'est ce bon serviteur qui peut veut dire spirituellement, je imam. Chers frères, chaque personne pour connaître ce spirituel côté, ce iman qui niveau. Quand tu testes les gagner, quand tu es infirme, tu es infirme. Ça dit, vous n'avez pas fait des efforts pour rapprocher avec Allah. Toi, que tu peux faire, toi, tu peux donner des difficultés. Aïe, ça va dire, trop sans zé là. Monte son téléntigide. Aïe, soit disant, il fait un amandé. Mette la tente là, devant sur la porte même. Tu vois qu'on est contre ces efforts devant Allah, qui d'ailleurs dit, il y en a. Sa difficulté qui vous fait devenir là. Mais déclenche la guerre contre Allah. Juste pour qu'il me comprenne, nous ne parlons pas pour juste personne, mais quand on trouve un dimoun qui fait des efforts pour rapprocher avec Allah, essayez de comprendre. Reste loin. Pas de difficulté. Facilite-le. Parce que si devant Allah, il n'arrive pas dans le monde, excepté que chaque difficulté qui te donne, tu pourras déclencher une guerre contre Allah.